On va jouer le match Partner Club Challenge. Ce match-là, celui-là, avec l'équipe de Manchester United. Donc, nous, on va jouer ça parce qu'il y a une récompense d'argent. D'argent de Icon Moment, en fait. Un agent spécial qui permet d'avoir un joueur Icon Moment United. Mais je vous assure, c'est. C'est le même truc quand tu prends les pièces pour acheter des pièces de la manière que tu fais le tirage, c'est la même chose, mais ça te permet de, au lieu de dépenser 100 pièces, ça te permet de pouvoir faire le tirage sans payer les frais au fait. Donc on va débuter le match, on va aller chercher un adversaire. Donc nous sommes ici, on joue avec Manchester United. Oh man, j'ai oublié de changer de joueur. Je voulais enlever Jordi Alba. Mais bon, c'est pas grave, on va voir. Ok, on va chercher les joueurs qui sont bons. On a Olivier Kahn qui est bon. David Beckham. Bon, on va essayer de voir si. Bon, il va jouer avec ceux-là. Donc, on y va. Configuration des touches. Vous pouvez choisir la fonction de chaque touche grâce au menu configuration des touches. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier de votre fidélité. Merci. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Facile. Creuil. Et c'est le but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Ils sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Oh, c'est chaud. Il est passé. Creuil. Putain. Il aurait pu le cadre. Mais c'est compliqué. Ça de marquait, trouver le coup d'appui, d'apporter de la puissance, de trouver le cadre. C'est très, très compliqué. Maguaya, Fred, il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. Faute, c'est indiscutable. C'est bien joué. Il tente de la jouer dans l'espace. Bruno Fernandes, ça peut être dangereux. Oh, on a failli voir un but magnifique. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Il décide d'allonger le jeu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Magnifique, ça passe. Il récupère le ballon. Il faut peut-être lâcher le ballon plus vite. Ne pas le monopoliser comme ça. Bruno Fernandes.
et la petite femme qui va bien. Bon, allez, on va aller marquer notre deuxième. Pas assez précise cette passe. Ce sera une touche. Et c'est directement récupéré. Maldini. Il allonge vers l'avant. Fred qui récupère ce ballon. Quelle passe ! Va-t-il en profiter ? Avec Cruyff. Ronaldinho ! Il sonne la charge. Et ça ne passe toujours pas. Il domine carrément en ce moment. Il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Un long ballon vers l'avant. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette 12-15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Fred. Une très grande ouverture. Jordi Alba qui est récompensé de son pressing. Dans la profondeur, la passe est précise. Ça ne passe pas. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Messi. Ronaldinho. Romario. Le ballon renvoyé par le poteau. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. C'est joué long, Sancho. Oui, il touche. C'est récupéré. Lindelöf. Oh, voici Cruyff. Bien servi. Voilà une bonne occasion de contre. Dans la profondeur, il est bien placé. Le bon dribble. Il file dans l'axe. Dans l'axe. La frappe. Et ça rentre. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il s'impose physiquement dans ce duel. Voici Romario. Il y a peut-être un coup à jouer. La longue passe. La frappe, attention! Et voilà le but! Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Il était bien placé. C'est la passe qui fait toute la différence. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face.
Long ballon dans le sens du jeu. Le bon ballon. Sancho. Pogba. Voici Romario dans la profondeur, bien vu. Oh, l'intervention de Lindelöf. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Oh, voici Cruyff. Ronaldinho, il part directement dans l'axe, à toute vitesse vers la surface. C'est fini, le match est terminé. Les défenseurs ont souffert, énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement parvenue. Alors, que retenir de cette rencontre? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence.